de ceux qui ont été injustement tués à Nice, et aussi pour leurs parents et leurs amis, pour que le Seigneur leur donne des raisons de patienter, de se consoler et de se rappeler que finalement, le plus important, c'est de vivre en Jésus. Dieu est le maître de la vie, et qu'on puisse donner la mort au nom de Dieu, pour nous, c'est un non-sens absolu. Voilà. C'est quelque chose qui ne peut même pas se négocier, c'est une aberration, c'est un non-sens. Ces attentats ou ces volontés de tuerie de masse se nourrissent mutuellement. L'idéologie de Daesh contribue à créer un contexte dans lequel la violence est banalisée. Et ça aussi, c'est une chose inacceptable. Manifester toute ma reconnaissance et à rendre un hommage appuyé aux forces de gendarmerie et aux autorités de l'État. C'était nécessaire. Je crois que déjà un rassemblement de foule, comme celui que représente le pardon de Sainte-Anne, dans le contexte actuel, malheureusement, ne peut pas se passer. D'une certaine vigilance, d'une certaine mesure de sécurité. Et là, l'invitation de Mgr Jean Barre, je dirais, en rajoutait une louche. Oui, c'était, 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 c'était,